Good morgen, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Lunishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak Vefani, David Ben Fortuna Mazal Fitna, Dvorah Bat Esther, ainsi que l'Irfuat Avram Noach, Ben Yehudit, Betor Sh'ar Chole Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sret Ktuvot, Perigvav Mishnahé. Amasi et Bitostam, Lo Yifrot La Michamishim Zuz, Pasak La Achnisa Aruma, Lo Yomara Baal, Kshachnisen, Aleveiti, Achasena Biksuti. אלא מכסה והודה בבית אביה. וכן המסיע את היתומה, לא יפחות לה מחמישים זוז. אם יש בכיס, מפרנסים אותה לפי כבוד העם. המסיע את ביתו סתם, celui qui marie sa fille sans rien dire, c'est-à-dire qu'en général, on soit clair, on parle qu'il y a eu les fiançailles, les kidouchines de l'époque, où là-bas, on parlait déjà argent, qu'est-ce que chacun allait apporter, qu'est-ce que chacun allait s'engager. La ktouva que le mari allait écrire, la part que la femme allait apporter à la maison, la dot et tout ça. Et puis, maintenant, on parle de personnes qui ont oublié d'écrire, ou qui n'ont pas précisé combien le père va donner à sa fille quand ils vont se marier. Alors la Mishnah me dit, ben, il ne peut pas s'en sortir en donnant rien. Il est obligé de donner quelque chose qui est, lo yifrot la mechamishim zouz, il ne lui donnera pas moins que 50 zouz. 50 zouz, il rapporte ici le pirouche Rishon LeZion même, et il dit qu'ensuite il a trouvé la même chose au nom du Pnei Yehoshua aussi. Rishon LeZion, je crois que c'est le Rav Chaim HaKadosh. Il a écrit que ça... D'accord? Et donc il écrit que 50 zouz, c'est le minimum pour faire du business et ne pas être pauvre. De manière générale, on a 200 zouz. C'est une mesure qu'on connaît pour apparemment, c'est plus pour l'investir et gagner une certaine rente. Ou c'est peut-être la paye qu'on gagne à l'année, ou je ne sais pas exactement. 200 zouz, en général, c'est ce qu'on gagne pour un an, pour vivre normalement, c'est le SMIC. Mais là, on parle que 50 zouz, c'est le minimum pour pouvoir vivre en faisant du business avec. Il faut acheter des marchandises et les revendre. On va se mettre à acheter des œufs et les revendre. Acheter des fruits et les revendre. Le minimum d'avoir pour pouvoir faire rapporter une parnassa, c'est 50 zouz. Et donc, n'importe quel alper a le devoir au moins de donner cet argent à cette fille qu'il marie. Ensuite, autre sujet. Pasak Leachnissa Aruma. Ils se sont engagés, ils ont fixé, Pasak, c'est-à-dire l'Ifsok, c'est-à-dire qu'ils ont fixé au moment du fiançaille, Leachnissa Aruma, de la rentrée nuit, c'est-à-dire que le père il s'est engagé à ce que je marie ma fille, je te donne ma fille, mais je ne lui donne pas de vêtements. Qu'elle se débrouille, quelle façon trousseau elle, débrouille-toi si tu veux toi lui donner. Eh bien la Mishnah me dit, Lo Yomar Abal, Chachnissena Leveti, Achasena Biksuti. Le mari ne pourra pas dire, vous savez quoi, pour le moment elle est chez son père, qu'elle reste habillée avec ses habits usés, et lorsqu'elle arrivera chez moi, je l'habillerai comme une reine. Non. Elle a mechassé veoda bevet avia. Le mari a le devoir déjà de couvrir sa femme, c'est-à-dire de lui donner des vêtements, des vêtements corrects et respectables, au minimum. Plus précisément, le mari, il a le devoir un mari, il y a une règle. Il y a des rangs sociaux, des gens plus pauvres, des gens plus riches, et chacun s'habille selon un certain standing. Lorsqu'un homme se marie avec un riche se marie avec une femme pauvre, il est obligé de couvrir sa femme de vêtements qui sont dignes de lui. Olaimo venayoredet. Si c'est un pauvre qui marie une fille de riche, il est obligé de le donner aussi des vêtements comme une riche. Elle monte toujours. Olaimo venayoredet. Elle monte avec lui et jamais elle descend. D'accord? Elle prend le maximum. Maintenant, imaginez que lui il est riche et qu'elle est pauvre. Et que son père, il s'est désengagé, il t'a dit, écoute, moi je marie ma fille, mais j'ai pas d'argent pour la marier. Tu veux, tu la prends, mais c'est pas moi qui lui donne des habits. Et bien pendant toute la période de fiançailles, le mari a l'obligation de lui donner, de lui acheter des habits. Mais de quel niveau? Pas selon le niveau du mari, selon le niveau de la fille. Mais quand même de lui acheter des habits, même si le père est là, il donne rien. Ça incombe maintenant au mari, d'accord? C'est comme ça que c'est précisé de plus dans le Melechet Shlomo. Ensuite, par rapport aux 50 zouz qu'on a demandé, alors, Vechen Amasiet Aïtoma, de même aussi pour celui qui va vouloir marier une orpheline, Loïfrot la Mechamishim zouz, ils ne lui diminueront pas de 50 zouz pour sa petite dot. Imaginez, vous voulez marier une orpheline, c'est une grande mitzvah d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire ou de participer, il y a fréquemment les Vadrabanim et Kupatahir, je ne sais pas exactement, peut-être dans vos quartiers même, c'est encore mieux. Donner de l'argent pour marier des orphelins, c'est une mitzvah gigantesque. D'accord? Si vous avez l'occasion, donnez même ce que vous avez, même plus que de donner un petit billet, c'est vraiment une mitzvah gigantesque. Et
En tout cas, si jamais maintenant vous avez envie de marier une orpheline, vous avez, à quel niveau maintenant il va falloir se soucier de lui donner de quoi commencer sa vie, il faudra le soucier de lui donner les 50 zouz, le minimum, pour pouvoir commencer à faire un petit business, comme on a expliqué. Ok? Maintenant, à part ça, Imyesh Bakis, si toutefois il y a dans la Koupa de Tzedaka, on a de l'argent en plus, ouais, la Tzedaka, on ne distribue pas tout de manière à tout va. Imaginez que moi j'ai une Koupa de Tzedaka que je distribue aux nécessiteux. Je vais fixer une certaine somme à la semaine, et donc il va me rester de l'argent. Et bien, si toutefois il va y avoir une occasion de marier une orpheline, et bien dans ce cas-là, Mefarnesimota, Lefik Voda, on pourra lui donner même Lefik Voda selon son rang social qu'elle était lorsqu'elle avait son père qui vivait. Et voilà, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.